d'affaires pour les intérêts supérieurs. Le ciel grand, misérable, de valeur abdominale, qui naît strictement de la face antérieure de l'ordre en regard de L1. Cette affaire a une direction oblique en bas et à droite, obligatoirement en avant. Elle se termine là où se trouverait éventuellement le diverticule de l'air, c'est-à-dire 60 à 80 cm de la valvule du diverticule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'embryologiquement, regardez bien. Embryologiquement, le tube digestif est sagittal médian. Osophage, estomac, duodénum, qui sont vascularisés par le conseil. Par la suite, vous avez une anse qui s'appelle l'anse ombilicale ou l'anse mésentérique. Cette anse possède un axe vasculaire et cet axe s'appelle l'artère mésentérique supérieure. Il faut savoir que cette anse va être divisée en deux. Une partie au-dessus de la terre, une partie au-dessous de la terre. Sauf qu'on remarque au fur et à mesure du développement une apparition d'un bourgeon digestif ici qui s'appelle le bourgeon sécal. Ça, c'est le futur sécal. Donc, la terre mésentérique supérieure forme l'axe de cette anse qui va commencer à tourner. Elle fait des séries de rotations. Toute cette partie va être à l'origine de la vestibule. Cette partie, c'est la dernière anse iléale. Cette partie, c'est le colon droit. Vous le colon transverse, hâte à l'angle colique gauche. Vous avez le colon descendant, le rectum. Et bien, l'anse ombilicale, le vestibule, ou l'anse ombilicale. Regardez-vous. L'artère mésentérique supérieure se termine au sommet de l'anse. Cette anse, elle a sommet interne, communique avec l'ombilique par un canal qui s'appelle le canal ombilico-mésentérique. Ombilico, c'est ombilique. Donc c'est un canal qui fait partie du cordon ombilical. À la naissance, qu'est-ce qui va se passer? Ce canal ombilico-mésentérique va disparaître. Et la terre mésentérique supérieure se termine en regard du sommet de l'anse, ce qui correspond à peu près à 60 cm de la valvule iliocécale, du sécal. Si le canal ombilico-mésentérique ne disparaît pas totalement, ça laisse place à un diverticule qui s'appelle le diverticule de Meckel. Donc, embryologiquement, le diverticule de Meckel, c'est l'absence de disparition totale du canal ombilico-mésentérique qui relie l'intestin moyen au cordon ombilical. Donc, et on n'a pas toujours un diverticule de Meckel. Donc l'artère mésentérique supérieure se termine. Si vous voulez comprendre tout ça, vous montrez sur Internet, vous tapez UMB, Université Médicale Virtuelle de France, vous rentrez dans le site UMB, vous tapez Bassin Arbitre dans la recherche, vous allez trouver un dossier. Vous ne le voyez pas parce que j'étais jeune, c'était en 2005. J'ai présenté un dossier à Rennes qui explique tout ça avec des vidéos 3D. Regardez-le, vous allez comprendre cette histoire du diverticule de Meckel avec des rotations 3D. Sinon, vous allez vous mettre des signes de source, vous demandez la thèse, vous demandez la thèse qui est datée du 5 mai 2005. Est-ce que maintenant, en pédogenèse du péritoine, DVD-ROM interactive, vous lancez le DVD, vous avez le développement embryonnaire de l'intestin, et vous allez voir une série de rotations, vous allez comprendre cette histoire de rotation dans le monde de l'espace. Alors regardez. Donc, si le canal disparaît, il n'y a pas de diverticule de Meckel, s'il ne disparaît pas totalement, vous avez le diverticule de Meckel. Donc, l'artère mésentérique supérieure se termine en regard du diverticule de Meckel s'il existe, et s'il n'existe pas, à peu près, c'est 60 à 80 cm de la valvule iliocécale. L'artère mésentérique supérieure donne des branches collatérales qui
ti vuole clandestini pur clandestano. Greco. E gli dobbiamo sciogliere l'altro, ti vuole clandestini pur le. Le chilene branche terminale de la maison télévisuelle. C'est la dernière branche iléale. Surtout, à terminer, Giginal, iléale, iléale, et la dernière arrêt iléale qui se termine en regard de la lune, de l'éthique qui existe, etc. C'est la branche terminale de la maison télévisuelle. Du côté du colombe, tant que la terre est connue supérieure droite, on est connue droite, la terre qui est haut, connue. Donc là, la maison télévisuelle est le donne. La même cave intérieure,
va recevoir le sanguine de Vera par les mêmes rénales. La même rénale gauche et la même rénale droite et la même rénale gauche. La seule même qui a eu le visa de passer devant la parce que là, on va pas devant le conseil. C'est la même rénale gauche. La seule qui a le permis de passer devant la gauche. C'est la même rénale gauche. Et elle est en passant pour recevoir le sanguine du rat. Le rat, la même rénale gauche, mais alors, la première rénale, elle va être piégée, cette même rénale gauche, entre l'aorte et la terre mésentérique supérieure. C'est ce qu'on appelle la passe aorto mésentérique. Voilà. Mais, d'après vous, cette terre mésentérique supérieure, cette aorte et cette même cavité, elles sont rétro-péritoniques. Dès qu'on attrape les têtes, il y a un deuxième système veineux, c'est le système veineux porte, qui va se calquer ici. Donc, la terre mésentérique supérieure va sortir d'une fenêtre vénale, limitée en bas par la même rénale gauche, mais il y a d'autres limites quand je compte dessus. Au moment où le premier est placé, on voit la pince à la terre mésentérique, la même rénale gauche qui est en bas, la terre mésentérique supérieure. Est-ce que vous voulez? Merci. Regardez bien ici, voici la horde, voici la terre mésentérique supérieure qui est rétro-concrète. Et voici, encore une fois, l'aorte, la veine cave intérieure, la veine rénale droite, la veine rénale gauche, la terre mésentérique supérieure, et voici la pince aorto-mésentérique dans laquelle passe la veine rénale gauche. Mais regardez, cette terre mésentérique supérieure, si je transpose, si je calque en avant le système Holt, il ne connaît pas la veine splénique, la veine mésentérique, appelée le transpléno, la même mésentérique supérieure. Je vais créer ici un quadrilatère ou une fenêtre qui s'appelle la fenêtre de logique, le quadrilatère veineux de logique, qui est limité par, regardez, le transpléno mésarrhéique en haut, la même rénale gauche en bas, la même mésentérique supérieure à droite et la même mésentérique inférieure à gauche. Et de ce quadrilatère, de cette fenêtre, sort la même mésentérique supérieure. Tout ça est derrière le pancréas. Regardez, derrière le pancréas. Parce que le système porte, quand je vous en bas, il se forme derrière le pancréas aussi. La veine splénique est sur la partie postérieure du pancréas, la veine mésentérique inférieure à bord de la partie postérieure du pancréas, tout est derrière le pancréas. Voilà, mon élève. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Par la suite, mais c'est notre segment. Cette artère mésentérique supérieure doit aller vers l'intestin, doit avancer. Elle va trouver à l'espace par où sortir. Cet espace, c'est lequel? C'est le crochet du pancréas. Donc, elle était rétro-pancréatique, elle va devenir très pancréatique, en avant du crochet du pancréas. Et par la suite, elle va devenir très gueule, devant le nez. Maintenant, une coupe se remet comme aéroïdorée. Regardez, on va faire une coupe sagittale paramédiale. Avec l'axe de la coupe de l'âme, je vous dis ça pour bien. Plutôt une coupe charanale. Mais je vais couper d'abord, je m'en fous de la haute pour le moment. Et je m'en fous pas de la haute. Je coupe la haute. Ben, allez, voilà, je vais. Je coupe aussi les traits du dédain, madame, c'est bonjour. Hein. Je vais couper comme le dédain. Le dédain. En avant, on a le dédain. En avant. En avant. Allez, le dédain. Au-dessous du dédain, qu'est-ce que je coupe immédiatement avec sa fille? L'isthme du pancréas. Où il y a l'isthme du pancréas? Elle n'a pas sur ma gauche. Moi, je dois m'arrêter à un certain moment, madame. Mais, vous êtes un gosse. Est-ce qu'il y a du pancréas? Non, René, qu'est-ce que je loue? Allez, attaque les vaisseaux. Le crochet du pancréas. Donc, vite ou pas de vite? Le crochet du pancréas. Vous tapez le crochet du pancréas, Chan? Non. Le dit. Les doigts. Je vais m'intéresser à la tête des antéliques
exubéré. Regardez bien. La terre présente est exubérée à sa naissance qui était rétro. Pancréatique. Par la suite. Très pancréatique. Vous l'avez. Et par la suite, très. Dieu des nains pour aller vers le mésentère. Faire la drape. Mais. Si vous ne savez pas. Quand on allait passer à la colonne du pancréas, c'est pas ça le problème. Le pancréas, au lieu de le pancréas, est pris dans une loge, qu'on appelle la loge pancréatique. Et cette loge pancréatique, son périgone se poursuit avec le mésentère. Quand le malade fait une pancréatite avec des coulées de nécrose, vous comprenez maintenant pourquoi ces nécroses vont se trouver. Parce qu'elle a des problèmes coulées pancréatiques à la racine du mésentère. Faut parler, j'en ai des coulées de pancréatiques dans la racine du mésentère. Faut parler, j'ai l'anatomie. Quand elle sert à quelque chose, elle ne devient pas inintéressante. Donc, si vous comprenez que le mésentère est en continuité avec le péritoine de la loge pancréatique, vous comprenez alors pourquoi, quand il y a une coulée des grosses, cette coulée des grosses peut refuser avec l'axe mésentérique vers la racine du mésentère. Et vous avez compris aussi maintenant que la terre mésentérique supérieure décrit un segment rétro-pancréatique dit derrière l'isthme du pancréas, un segment rétro-pancréatique devant le pancréas, le tri-pancréas de l'isthme, et un segment rétro-pancréatique dans la bande du détour. Tous ces trois segments, rétro-pancréatique, 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 font ensemble le segment fixeur de la paire mésentérique supérieure. Est-ce que c'est clair? Bien. Le segment mobile est donc le mésentère. Il est bon, ça c'est un détail, pas de l'option à l'aortie. Donc, on a un mésentère. Ça, c'est la racine du mésentère. Cette artère mésentérique supérieure va donner des branches collinatérales. Mais pour ne pas tomber dans des pièges, cette artère mésentérique supérieure, vous avez vu qu'elle est aux abords du pancréas ici. Donc, à part une nouvelle, c'est qu'elle donne des branches collatérales pour le pancréas. On est d'accord. Cette artère mésentérique supérieure va donner des artères pour le pancréas et pour le. Je vais commencer par l'artère hépatique droite qui est inconstante, qui naît de la mésentérique supérieure et qui est rétrograde et postérieure, et qui va vasculariser le poids droit qui marque l'artère hépatique gauche. Mais elle va donner l'artère pancréatique au duodénal inférieure, il y a l'artère pancréatique au duodénal pancréatique, qu'on appelle aussi l'artère pancréatique au duodénal gauche, qui est celle-là. Et la terre pancréatique inférieure qui est le miroir de la spleen. La pancréatique inférieure, c'est le miroir de la spleen. C'est elle vascularise le corps et la queue du pancréas par en bas. Elle fait l'astomose. Regardez ici. Vous vous rappelez que c'est la terre splénique qui donne des rameaux pancréatiques. Et ces rameaux pancréatiques se croisent avec la terre pancréatique inférieure. Vous voyez, avec une splénique en haut, une pancréatique inférieure en bas, et des rameaux pancréatiques. C'est un système anastomotique pour la vascularisation du corps et de la queue. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est la terre pancréatique au duodénal inférieur ou gauche. Regardez-vous. Duodénal. Pancréas. Que je montre ici. Projet du pancréas. Transsélien avec gastrique gauche, splénique et hépatique commune, qui donne l'hépatique propre et la gastro duodénale. La gastro duodénale donne les hémisphères avec la gastro mentale, les hémisphères, la PDS A et la PDS une antérieure et l'autre qui est postérieure. Ça, c'est le cancer. La tête mésentérique supérieure qui sort de la jambe couchée du pancréas. La tête mésentérique supérieure qui est là, Thank you.
maison de direction supérieure. À deux maisons de direction supérieure. À deux maisons de direction inférieure. Vers maisons de direction inférieure. À la nouvelle barre, vous prenez ça. Donc, VAAV, voilà, VAAV. Vers maisons de direction supérieure. À deux maisons de direction supérieure. À deux maisons de direction inférieure. Vers maisons de direction inférieure. Donc, les 20 sont les plus externes. L'artère mésentérique supérieure va donner l'artère pancréatique duodénale inférieure, et elle a tout simplement l'artère pancréatique duodénale gauche. Bon, il y a l'artère pancréatique gauche, et qui va se diviser en deux branches. Elle se divise en deux branches, mais on fait en deux branches, on a remis ici. Ces deux branches vont s'anastomoser avec la PDS1 et la PDSP. Alors, c'est des groupes, 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 c'est la PDSA, je t'en dis, elle est antérieure, je les ai donné en l'eau. Et il y a un côté. Là, c'est le duodénum, donc le duodénum digital.
le petit pont fait la petite eau. La terre mésentérique supérieure. Cette artère mésentérique supérieure se termine par la dernière artère iléale qui, à 60 et 80 cm de régularité. Elle va donner de son versant gauche, et là je schématise l'intestin grêle, des branches jéjunales et des branches filaires. Oui, il y a le bout, si ça bout, c'est le bout. Ces branches vont donner ça la stomatite pour former des arcades de premier ordre. Du sommet des arcades du premier ordre, on laisse les arcades de deuxième et de second ordre. Et du sommet des arcades du second ordre, on laisse les arcades de troisième ordre. Du sommet à la dépêche, du sommet des arcades du dernier ordre, laisse les maisons de l'ordre. Ils vont prendre en base la tête, en rouge, en antérieur et postérieur, la congrès, ils prennent en base. Ils prennent en base la tête interne pour le vasculaire. Sauf que, pour les nerfs, les chimarrés, ces différentes branches ne s'anastomosent pas. Ce qui fait la vascularisation du nerf est terminale. Si j'ai un tronc plus au niveau de la mésentérique supérieure, ici, ça va nécroser tout le nerf. Si j'ai un thrombus ici, ces parties sans vasculariser ne peuvent pas gagner ce qui est après. Donc vous aurez un infarctus, un infarctus segmenté. Les arcades, ça reste mort. Mais quand j'aurai un thrombus à l'origine, tout ça n'est pas vascularisé. Donc ces arcades sont tellement longues que le débit n'est pas suffisant pour vasculariser. Donc, les nerfs coulent par quatre cycles de l'eau. Donc, ces artères terminales ne peuvent pas supplier. Donc, j'aurai un infarctus suspendu, voilà, c'est quand je vais perdre. Ça, c'est pour le jugement biliaire. Pour le colon, du côté droit de la tête, j'aurai trois artères. La colique supérieure droite qui passe en avant du duodénum. Et qu'on appelle aussi l'artère de l'angle. Colique de l'eau, artère colique supérieure droite, on appelle à la tête de l'angle colique de l'eau. En arrivant à l'angle, elle va donner deux branches pour le colon transverse et deux branches descendantes. La deuxième, c'est l'artère colique moyenne droite, l'artère du colon ascendant. Colique moyenne droite, voilà l'artère du colon ascendant, qui est intense. Et qui donne une branche ascendante et une branche descendante. La dernière, c'est l'artère ilio. L'artère colon, bisécu, iléo, appendiculaire. Pourquoi? Parce qu'elle donne cinq branches terminales. Une branche colique ascendante qui s'anastomose avec l'autre pour former la nerve et l'arcade marginale ou l'arcade bordante du colon ascendant. Une artère colique, une artère sécale antérieure, une artère sécale postérieure, une artère appendiculaire et une artère iléale réglante qui s'anastomose avec quoi? Avec la dernière iléale. Et là, vous aurez ici une aire, un espace, une aire avasculaire, qu'on appelle l'aire avasculaire de Treves. Par quoi elle est limitée l'aire avasculaire de Treves? Par l'iliocolique, la dernière branche iléale de la mésentérique et l'artère iléale branche de l'iliocolique. Comme on l'est. L'artère iliocolique, c'est une des branches collatérales de l'artère mésentérique supérieure. Donc je vais changer la couleur pour comprendre. Cette artère iliocolique donne cinq branches terminales, une branche colique qui s'anastomose avec les branches coliques à gauche pour former l'arcade bordante du colon ascendant, une branche sécale antérieure, une branche sécale postérieure, une branche appendiculaire et une branche iliale récurrente. Cette branche iliale récurrente s'anastomose avec la dernière artère iléale de l'artère mésentérique supérieure. Se forme une aire ici,
triangulaire à vasculaire, limitée par la dernière artère iléale de la zone de supérieure, l'artère iléocolique et l'artère iléale récurrente branche terminale de l'iléocolique. Regardez maintenant, quand je veux faire une colectomie droite perséologique, je dois enlever le colon pour une tumeur du colon droit, le colon, ce qu'on appelle le colon droit chirurgical. C'est la partie du colon vascularisée par l'artère mésentérique supérieure. Ce qui correspond au sécum, colon ascendant, angle colique droit et les deux tiers droits du transverse. Qu'est-ce que je dois ligaturer? Qu'est-ce que je dois ligaturer pour enlever ce couple-là? La colique supérieure de droite, si elle existe, la colique moyenne de droite, et l'artère. Ah, bien! Je vais acheter par moi toute partie du digestif qui n'est pas bien vascularisée, qui est avascularisée. D'accord, on est, compris, on est. Et là, regardez, celle-là lie, donc je dis vascularise le sécum, la panisse et la dernière anse ilée. Donc, où est-ce qu'il est vascularisé totalement la dernière branche iléale? Parce qu'il est vascularisé aussi par l'artère iléale, la dernière branche iléale. Mais je dégrade la qualité de la vascularisation. Donc, toute colectomie droite en perséologie doit enlever la dernière branche iléale, puisque c'est clair. J'enlève la dernière branche iléale, pas par un impératif perséologique, mais par un impératif vasculaire. Bien sûr, un impératif perséologique, je n'entends pas. Mais surtout, c'est un impératif vasculaire, vous comprenez? D'accord? Allez, parce que le fait de ligaturer une myocolite ici, j'ai empêché le sang d'arriver correctement à l'intérieur. Ah, on dit, je fais une colectomie pour une maladie inflammatoire du côlon, sans cancer. Ben, tout simplement, j'en aurais plus besoin de ligaturer les muscles ici. Je les ligature à la bord du colon, ici, là, là et là. Dans ce cas-là, est-ce que je dévascularise la dernière rang? Pas que je pense à pas que le sang est là. Parce que j'ai coupé ici. Dans les colectomies pour Crohn, par exemple, je peux garder la dernière rang. Parce que je ne l'ai pas dévascularisé. Est-ce que vous avez compris? J'agrandis le schéma pour expliquer encore une fois. Elle est la dernière rang. Voilà, c'est comme appendice colon ascendant. L'artère iléocolique de la voici, elle est la dernière branche idéale de la mésentérique supérieure. Vous voyez, elle est iléocolique. L'iléocolique donne une branche colique, une branche sécale antérieure, une branche sécale postérieure, une branche appendiculaire et une branche idéale récurrente. Si c'est une colectomie pour cancer, je dois ligaturer ici. Si je ligature ici, tout ça, ça va devenir noir, regardez. Noir, 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 et regardez, et noir. Prenez la dernière fois, un dernier qui vascularise un peu. On le oui, mais c'est risqué. Donc je dois enlever la dernière fois pour une colectomie pour le cancer. Et d'ailleurs, on a un quart de une colectomie pour une maladie inflammatoire. Par exemple, une plage glandulaire. Donc je ne ligature pas les vaisseaux à l'heure. Origine. Il a les empiriques supérieures, idéocoliques, branches coliques, sécale antérieure, sécale postérieure, appendiculaire et iléanéculaire. Comme c'est pas un cancer, je peux ligaturer les vaisseaux ici. Mais la nerf, les méchines de colon à l'avant. La nerf, donc ça noircit. Je ligature ici. Donc ça noircit. Ça noircit. Est-ce que vous dites que je vais ligaturer? Est-ce que je peux dans ce cas-là conserver la dernière? Donc dans ce cas-là, je peux couper le destin ici et ne pas couper la dernière. Et c'est bien, vous avez le droit de faire le plus difficile possible. Parce que ce sont des sujets qui vont être opérés plusieurs fois. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc le schéma ici,
Aftë e kërë iksu në rëmë bat, këri pojnë në bat, i një kolika me të në moshë kolika, dë moshë se kala të në të lere, i lere dhe. A, në me o bat të një, që të një kolika, a me të moshë kolika, dë moshë se kala të lere, në moshë të lere, në moshë të në të lere, në moshë të lere dhe se ho, i së të apela për të lere, i lere dhe 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 L'artère des artères supérieures de l'autre table, c'est une artère grélo-colo du rélo-portière, donc je n'ai pas les arcades de tout à l'heure. D'accord? Bien. Concernant la mésentérique supérieure, elle dit que la face latérale de l'ordre en fait peut-être pas. Face entrée. Elle est très noire dans la ventrale gauche. Elle passe tout d'abord, elle est très noire. Elle est très gloire pour le troisième meridien. Donc le mésentère est situé à gauche de la même mésentérique inférieure. Et à droite de la même tension. Même mésentérique supérieure, la même mésentérique supérieure, même mésentérique inférieure. Et à droite de la même mésentérique inférieure. Elle s'est mise en regard de l'angle fœtal. Non, elle s'est mise à 60 cm de 3 cm de l'angle iliocécal, la valgine.